Là où l'ordre a disparu, où règne cruauté et anarchie, les émissaires prennent les armes. Nous faisons régner la justice partout où elle nous appelle. Nos armures sont sans égale. Leur fabrication est un secret bien gardé. Priez pour ne point nous voir. Et si vous nous voyez, priez pour ne point être coupable. La neige tombait déjà sur Valkenheim. Mais nous avancions quand même. Je suis Holden Cross. En tant que commandant de l'avant-garde, c'était à moi d'ouvrir la marche. Ah, c'est trop calme. Une embuscade. Précisément ce que nous espérions. Ils savent qu'on est là. Continuez! Pour la Légion! L'entrée de Valkenheim. Dégagez ces débris de la route!
de mon chemin. Les sauvages. Il fallait réduire ces catapultes au silence. C'était tout sauf un bon plan, mais je n'avais guère le choix. Je dois détruire cette catapulte. Regardez l'équipe. Les Vikings brisent. Pulte au silence. Ad mortem inimicus! Je dois retrouver mon avant-garde. Nous étions prêts pour la suite.
Vikings avaient le nombre, nous, la technologie. Il faut que je trouve les commandes du pont. Les commandes du pont. Nous avions trop peu d'hommes pour nous encombrer de captifs. Madame, ce monstre a tué au moins 40 soldats, y compris Davis. Sais-tu comment distinguer le prédateur de la proie? Impossible, bien sûr. À moins de les voir combattre. Bravo. Je pensais que ces lois de la sélection ne s'appliquaient qu'à nous.
Valkenheim. Nous devions atteindre la forteresse de Svengard sans laisser aux Vikings l'occasion de réagir. Or, face à la grande falaise qui fend la vallée en deux, nous trouvâmes notre route barrée. Par chance, nous avions parmi nous un spadassin. Merci était son nom. En temps de paix, la lame de l'ordre est silencieuse. Mais en temps de guerre, les spadassins vifs, mortels, ils peuvent gagner une bataille sans que l'ennemi ne soupçonne notre présence. Ils dansent une pavane funeste avec deux lames pour partenaires, car leur savoir peut détruire les légendes ou les forger. Notre armée devait passer. Ceux de la Grande Horde savent être inventifs quand il le faut. Holden n'aurait jamais dû envoyer ses éclaireurs quand il aurait pu me dépêcher, moi. Pourquoi n'ai-je rien dit ? Apollyon m'avait chargé d'ouvrir la route, ce que j'ai fait, bien sûr. Holden a foi en la sentinelle. Enfin, je crois. Les Vikings manquent de vigilance.
Qui donc trahira la sentinelle? Ils avaient amarré leur bateau ici. Il y avait donc un chemin vers le sommet, j'en étais sûre. Vivre pour servir, vivre pour servir. Hefði ég sagt þér brandar um fiskinn og bogaskytuna? Já. De changements en si peu de temps. Ces Vikings manquent de vigilance. Les ténèbres d'Apollyon recouvriront le monde. Ah.
toujours aussi beau ici. Il y avait plus de vikings ici. Il fait si froid. Einn af þeim bestu. Hann ríkir yfir dal. Gleymt meiru. La grande horde aurait déjà dû riposter. J'avais une idée. Les Vikings adorent les banquets. Je ne m'attendais pas à entrer si facilement.
se passerait-il si j'actionnais ce levier? Je ferais peut-être bien de l'actionner. Bon, où est le mécanisme central? Leur machinerie dépassait largement ce à quoi je m'attendais. Depuis mon dernier passage, ils avaient acquis de nouvelles connaissances. Sauf erreur de ma part, il ne restait plus qu'à lever l'ascenseur et profiter du spectacle. Plus qu'un dernier coup. La voie est libre. Impressionnant. Ne l'encourage pas. La forteresse de Svengard, mon but. Les vrais guerriers vikings n'avaient que trop longtemps dépéri sous le joug de leur société, de leur clan, de leurs lois. Nous allions ouvrir leurs portes pour rétablir l'ordre légitime du monde.